Le directeur général de la police nationale, Franz Elbé, annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les principaux responsables suite au massacre des fidèles protestants samedi dernier par les bandits de Canaan. Selon Franz Elbé, toutes les unités de la police nationale se mobilisent dans les zones de foyers de gangs pour combattre l'insécurité dans la région métropolitaine notamment. Le commissaire en chef de l'institution policière invite au respect du binôme mariage police-population dans l'application de la loi pour aider au démantèlement des foyers criminels en Haïti. Nous toujours avons encouragé au niveau commandement, au niveau de la police, au mariage police-population. Encourager une bonne relation entre population avec la police. Nous toujours dit que c'est important pour que nous gagnions un mariage pour marcher côte à côte à la population. Cependant, il y a des règles, il y a des principes en matière de sécurité, on doit respecter. C'est pour venir sur un incident malheureux, drame malheureux qui arrivait au niveau du Cameroun. On a informé la population qu'il y a un groupe de monde, un groupe de fidèles, qui, de manière spontanée, organisait une manifestation qui gagnait dans tel jour un certain pasteur Mako. Et tout le monde a été accompagné de monde qui a armé le fusil d'assaut. Et il a été gagné un uniforme vert olive sous l'eau. Tout ça a été déterminé parce que le pasteur a dit que il a prié pour eux, il a mis des bagages sur eux, donc il n'a pas pris un balle. Il était une croyance. Dans le temps, il faut le une détermination dans le temps, il faut le ça. Une fois que le commandement de la police a été informé de manifestations spontanées, instruction formelle est passée à le commandant de juridiction pour que nous parlions avec l'organisateur et vivement ça. Notre objectif pour convaincre que il n'est pas bon pour que vous alliez au Canada par rapport à la réalité que vous connaissez qui est au Canada. Quand il est armé avec des fusils d'assaut, donc il n'est pas bon pour que vous alliez. Et établir un périmètre, un dispositif de sécurité pour empêcher vous d'arriver au Canada par rapport à ce que vous connaissez qui est une zone qui est dangereuse. La police a fait tout ça capable pour empêcher que vous arriviez à destination. Malheureusement, foule là subdivisée en plusieurs groupes et au contour des dispositifs de sécurité qui est établi par la police et qui vient déboucher sous un drame déplorable, malheureux au pays. Drame ça, côté qui fait nous enregistrer plusieurs mondes qui sont tués par un tir. Sous drame ça, il y a une enquête judiciaire qui ouvre au niveau direction centrale police judiciaire pour identifier et fixer la responsabilité de tout le monde qui est impliqué dans le drame. Quel que soit le monde qui est impliqué là-dedans, l'État n'a pas assumé la responsabilité que lui applique la loi. En même temps, la police a continué l'opération dans la zone dangereuse pour permettre que la population, au fur et à mesure, retourne la calme. Nous sommes capables de rassurer la population que la force de police est capable de mettre de côté. Actuellement, l'opération a continué dans différents points dans le pays. Dans la zone métropolitaine, dans différents quartiers et dans la Tibonite. En même temps.